Un jour, nous avons décidé de nous écouter et de suivre nos rêves en parcourant le monde, accompagnés de notre chien Sully et de notre van Gustavo. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi? Alors on y va! Et salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon début de semaine. Bienvenue dans ce nouveau vlog de mercredi. Comme je t'ai expliqué la semaine passée, dimanche, nous avons passé la frontière espagnole. Avant tout ça, on a fait juste deux visites, c'est Villefranche-sur-Conflent, un des plus beaux villages de France. Et on a été à des sources d'eau chaude. Ensuite, on est passé la frontière, mais après tout ça, je te laisse voir dans la vidéo. Actuellement, on est un petit peu dans le milieu de l'Espagne, enfin pas vraiment dans le milieu, on est vers Saragosse, on va direction le désert des Bardenas que vous verrez dans plusieurs vlogs, là vous allez voir, vous allez kiffer, ça va être trop trop stylé. C'est un endroit que j'ai envie d'aller depuis très très longtemps, donc voilà un petit peu pour où on se trouve à peu près, c'est à peu près ça. Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que la vidéo elle vous plaira. Benvenidos España. Allez, bonne vidéo, on se reprend plus tard. Hello! Salut! Hello! Bon bah, on vient de partir des sources d'eau chaude. C'était trop bien. Ouais, franchement, c'était génial. C'est incroyable. Moi, j'ai trop kiffé perso. Il y a plein de petits bassins et tout. Bon, pour des raisons évidentes, on ne vous a pas filmé parce qu'il y a des gens tout nus. Mais c'est trop magnifique. C'est plein de petits bassins en espalier comme ça qui descendent. C'est incroyable. Mais t'as pas la tête quand même. Mais t'es trop petite. Je dois faire comme ça. Et en fait, pour venir en source d'eau chaude, on a écouté Laura. Oui, alors c'est par là. Alors oui, elle avait totalement raison, c'était par là. Mais alors c'était Koh-Lanta Land, hein. Ah ouais, c'était Koh-Lanta. Ah, mon pauvre ami. On a suivi la rivière. On a suivi la rivière. Mais alors, les sabres, les lianes, les pics, les machins bidules. Bah voilà. On a quand même réussi à atterrir aux sources d'eau chaude. Oui, quand même. Et ouais, donc en vrai, c'était trop bien. L'eau, elle est pire chaude. Bon, il y a certains bassins, c'est imbaignable, hein, vraiment. Parce que c'est beaucoup trop chaud. Mais sinon, il y a des bassins, c'est juste incroyable, t'as ça en pleine nature. Enfin, moi, je trouve ça fou quand même. Enfin, bref.
Et là, on va retourner au van. On va direction Andorre. Voilà. Manger la dalle. Et puis après, on va direction Andorre-la-Vieille pour mettre les seins parce que c'est moins cher. Et puis après, gentiment, on lignera sur l'Espagne. Donc voilà. Alors, on se voit tout à l'heure. Salut. Adieu. Ciao. Ciao. Je te reprends quelques heures plus tard. Comme tu as pu le voir, nous sommes en Espagne. C'est trop bien, on est trop contents. Franchement, on ne pensait pas traverser aujourd'hui. On est KO, franchement, on est hyper fatigués. La marche qu'on a fait pour aller aux sources d'eau chaude, les sources d'eau chaude, plus le retour jusqu'au van. Et encore le trajet. Donc en fait, on a trouvé un spot juste incroyable. Il y a eu un bug de lumière, je crois. On a trouvé un spot juste incroyable. Et on va rester ici, je pense, aussi demain. On va faire une journée assez chill au spot. Et ensuite, on va gentiment bouger. Mais encore une fois, c'est à voir. Rien n'est fixe avec nous. On va préparer l'apéro. Parce que bien évidemment, un petit apéro, ça fait toujours plaisir. Manger. Et après, on va aller au lit hyper tôt. Mais je vais vous montrer le spot, il est juste incroyable. On est au bord d'une rivière. Hola, buenos días. Oh purée, vous croyez qu'il fait froid? Oui, il fait froid, on se pèle. On se pèle le jonc par là, vraiment, au spot. Il fait froid, en plus on a le soleil que vers 1h. Donc c'est horrible, on part ce matin. Et aujourd'hui, on est vendredi 13. Que des belles choses qui vont se passer aujourd'hui. Le programme, on va aller à Lérida. Et ensuite, trouver un petit spot. Visiter 2-3 petits villages qui traînent autour. Et ça va se passer ainsi aujourd'hui. Donc, je vous laisse avec la suite de cette journée. Hello! Enfin, un petit moment qu'on est arrivé à Lérida. On a déjà fait la grosse rue marchande. On est passé chez Vodafone pour chercher une petite carte prépay pour internet. Et puis là, on visite. Comment ça s'appelle? Torre del Seu. On visite ça quoi. Voilà. C'est pas mal. C'est très joli. C'est magnifique.
C'est vraiment trop joli. Il y a une vue à 360 degrés. Après, on va gentiment retourner au parking. Et puis, aller se trouver un petit spot pour se poser un petit peu, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Alors, à tout à l'heure. À toute. Nirvana, hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama, faire un petit bédou sur le mont Fujiyama. Force. Quel est-ce que tu vas faire dans un van? Exactement.